Amitabha vous, Otep Shalom, Salam Aleikum. C'est Laurent Mage depuis le 237. Vous qui me contactez tout le temps pour les propres monnaies magiques. Il y a aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 3 jours. J'ai été interpellé par une communauté précise pour cette histoire de Paul Monnaie Magique. Aujourd'hui, comme c'est via les réseaux sociaux que nous sommes connus, c'est via les réseaux sociaux que je vous dis des choses. Mes chers amis, je ne veux pas indexer un pays qui se prétend avoir la connaissance infuse, okay, de Paul Monnaie Magique. Pour votre gouverne, le porte-monnaie magique, le vrai, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce que vous voyez sur Internet, ce sont des canulars. C'est une passe-passe, on prend avec la poudre, on fait un truc comme ça, et puis ce sont des leurres, ce sont des trucs de passe-passe. Ok? C'est de l'arnaque à coup sûr et à coup dur. La preuve, depuis que vous faites ces choses, depuis que vous commandez ces choses, depuis que vous avez invité les gens pour ces choses, est-ce que vous avez eu des résultats? Non. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont ruinés. Beaucoup d'entre vous sont endettés. Beaucoup d'entre vous ont pensé que c'était la solution pour leurs problèmes. Ils se sont fait extorquer de l'argent par un pays voisin. Donc, je vais taire l'identité pour qu'il n'y ait pas un conflit, je vais dire diplomatique, on va dire comme ça. Mes chers amis, le vrai porte-monnaie magique, pour ce qu'on ne vous a jamais dit, se nourrit en partie avec le sang humain. Vous pensez dans votre tête, sérieusement, sérieux, quelqu'un va faire un truc d'abracadabra comme ça, et ensuite vous aurez de l'argent comme ça? Ça dit pas de rien. Si c'était ça, ces pays qui prétendent avoir ces connaissances, il n'y aurait pas de pauvreté. Il n'y aurait pas de toujours chômage catastrophique. Il n'aurait qu'à aller voir tel maître, il le fait, puisque tout le monde le fait là-bas. Il faut être intelligent, bon Dieu. Dieu vous a donné l'intelligence. Pourquoi est-ce que vous ne vous en servez pas, mes chers? Il y a des rituels qu'on fait pour que vous ayez la prospérité. Il y a des rituels qu'on fait pour que en moins de 3 mois, vous vous retrouvez dans une certaine somme d'argent qui dépasse entendement. Pas besoin forcément du port monnaie magique. Les pays qui sont mandatés, que vous ne connaissez pas que le port monnaie magique, les pays mandatés par Lucifer lui-même, parce que c'est lui qui détient le code de secret des port monnaie magique. Si vous ne savez pas, si je ne veux pas vous dire la vérité, moi je vous le dis aujourd'hui. Je sais, beaucoup vont tirer sur moi, mais je vous dis la vérité. Mes chers, il y a l'Inde qui a le mandat par Lucifer de faire les points monnaie magiques. Il y a le Pakistan, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y avait le Ghana, je ne sais pas si le papa là vient encore, il y avait le Cameroun, ça fermait, c'était à Yaoundé, dans un quartier résidentiel là-bas, il y avait le Bénin. Il n'y en a plus. Le reste est au Nigeria. Vous allez au collège des sorciers, la grande conférence des sorciers au Nigeria. Ils vont vous dire que ce que ces garçons disent, c'est la vérité. Arrêtez de dépenser votre argent inutilement. Arrêtez de vous faire arnaquer. Il y a des rituels, là je suis d'accord, qui amènent à l'excellence. Maintenant, pour vous qui voulez faire les pactes souvent, qu'on vous a vendu sur Internet en ce qui concerne les pactes avec des oiseaux, il faut savoir que la reine mère, cette divinité authentique des eaux qu'on appelle Mami Wata, on ne la choisit pas. C'est elle qui vient à vous, c'est elle qui choisit ceux avec qui, ou encore c'est elle qui décide de se manifester sur certains individus qui naissent avec certaines caractéristiques précises qu'elle recherche, qui naissent avec une forme d'étoile qu'elle veut, ok, qui naissent sur un signe particulier, qui émet un grand taux de vibration dans le monde de pandémonium, dont elle est la gouvernante, ok. La majorité des gens autour des parcs avec l'esprit des eaux, ça veut le Léviathan.
ou encore les tritons. Vous avez compris? Voilà. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a 1000 abonnés qu'il connaît. Mettez ça dans vos têtes aujourd'hui. Ça dépend de comment il a fait son marketing. J'espère que vous êtes avertis. Arrêtez de m'embêter pour les choses qui vont vous servir à rien. Cette histoire, c'est de l'arnaque. Il y a des rituels qui rendent extrêmement riches. Mais sachez que le pomme est magique. Le vrai, c'est pas sur internet comme vous le croyez. Même si la personne a vous fait une vidéo où on dit tu sais quoi, pourquoi TV ou Coca-Cola TV, ce sont des leurres, ce sont des montages. C'est comme vous pouvez prendre une chaîne, c'est comme vous pouvez prendre quelqu'un qui maîtrise le montage audiovisuel. Il fait une vidéo, il met peut-être Congosa TV, ça passe sur internet, on croit avec quelqu'un qui s'y maîtrise en journalisme et puis vous posez des questions au fond. Et puis vous tombez tous dans le panneau, vous vous versez comme des moutons. Arrêtez de dépenser votre argent inutilement. J'espère que j'ai été clair. En bon attendant, salut. Amita Bavo, Otec, Shalom. Le roi mage répond au 237 695 27 26 70. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes et beaucoup même, mais c'est la triste vérité. Regardez comment vous faites arnaquer tout le temps. Vous n'avez pas pitié de vos économies, celui-là. Et un conseil, souvent il faut demander de faire des vidéos avec ces individus. Vous allez voir, ils vont se rétracter. Et parfois, il faut leur poser des leurres. Il faut être intelligent. Vous savez si quelqu'un est faux ou authentique. Il faut juste les faire les attrape-nico. Vous allez voir comment il va reprendre. Et c'est là que vous saurez si vous méritez d'envoyer votre argent ou il ne mérite pas que vous l'envoyez votre argent. Ok? C'était juste un bon à savoir. C'est le roi mage. Otep. C'est la fée qui gagne.